Oh. Thank you, Lord. Ernesto. Ah, c'est bon. J'aime les fleurs. Désolé, désolé pour le retard. C'est une bataille. Une grande bataille que je viens de remporter en introduisant ce direct. C'était trop compliqué, trop compliqué. Vraiment compliqué. Une grande bataille, je vous assure, une très grande lutte. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé la victoire. Et vous savez que je suis, en fait, je suis avec Jemima, mademoiselle Jemima Ekane, dont elle me rend la vie dure. Non, l'enfant là, elle me travaille. Elle me rend la vie dure. Donc c'est pénible. Mais c'est une responsabilité que je porte avec joie. Elle est un peu comme mon ombre. Partout, papa, papa, maman, toi. Non, bébé, attends. Non, papa, toujours accroché. Donc. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette victoire qui n'est pas des moindres. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, prends contrôle et permets-nous de grandir dans les choses de Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, merci pour ceux qui sont là. Pour ceux qui ne pourront pas me suivre directement, ils suivront en différé. Et que ce soit maintenant ou après, la même grâce est manifeste. Je suis à Douala, par la grâce de Dieu, nous avons conférence de bienfaiteurs tout à l'heure à partir de 17h à Ndokbon, derrière l'immeuble Kamlé. Que Dieu te bénisse. J'ai parlé, ne manque pas la conférence, ne manque pas, soit là. Le culte des plaines, c'est ce dimanche. À Yaoundé, 7h30, Douala, ce sera à partir de 16h, par la grâce de Dieu. Le même dimanche 25. Et le 30, vendredi le 30, nous avons, le 30, nous avons la conférence des bienfaiteurs à Yaoundé. Voilà, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. J'ai parlé hier du cas du docteur Charles Omba, j'ai parlé du cas du prophète Jonathan Kamdem et j'ai promis que j'allais continuer à la lumière des Saintes Écritures là-dessus. Vous savez que l'Église aujourd'hui au Cameroun vibre au son des polémiques inutiles, des polémiques sur des inutilités. Et ceux qui mènent ces polémiques sont des personnes de l'ombre. Quand je dis les personnes de l'ombre, ça veut dire que c'est des personnes dont les œuvres ne sont pas prouvées dans la nation. Vous savez, si vous parlez en connaissance de cause, ça veut dire vous dites que quelqu'un ne fait pas bien son travail et vous montrez votre travail à vous, vous pulvérisez vos records à vous, à partir de ce moment, on vous prendra au sérieux. Mais si tu n'as pas de maison où habiter, même le loyer, tu n'arrives pas à payer. Et tu critiques la manière dont quelqu'un a construit sa maison, disant que non, vraiment, la maison-là n'est pas jolie, vraiment, son lit même ne coûte pas cher, etc. Comment te prendra-t-on au sérieux? Puisque même la location, tu n'arrives pas à payer. En fait, tu n'es pas qualifié pour venir faire le reproche à une personne quand même qui a construit sa maison, qui a aménagé sa maison. Parce que tu ne connais pas ce que c'est que construire une maison et tu es loin de construire une maison. Mais si quelqu'un construit un duplex et que quelqu'un qui a construit un immeuble vient lui dire non, ici tu as mal fait, tes techniciens devraient faire comme ça, il parlera par expérience et en connaissance de cause. Pourquoi? Parce qu'il a fait plus que ça. Ou bien il a fait autant que ce que tu as fait. Tu ne peux pas aller faire le reproche à quelqu'un que Dieu a mis dans un piédestal que tu n'as pas encore atteint. Comme si tu étais dans ce piédestal, c'est de la prétention.
On appelle ça la mégalomanie. C'est la prétention, dans tous les cas. L'humilité doit être importante. Nous devons comprendre les valeurs d'humilité dans l'Église. Le christianisme est devenu un champ de désordre. Chacun se lève et dit ce qu'il doit dire, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est les œuvres de chacun qui justifient chacun dans cette génération. L'histoire nous demandera des comptes. L'humanité nous demandera des comptes. Et l'histoire commence déjà à nous demander des comptes. Toi qui fais les reproches, où sont tes œuvres? Montre-nous tes œuvres. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Église de Jésus? Quelles sont les preuves? C'est ça le véritable problème dans l'Église aujourd'hui. J'ai remarqué une chose, c'est que ceux qui ont réussi ne bavardent pas. Ils n'ont pas le temps des autres parce qu'ils sont tellement concentrés à améliorer leur réussite. Mais ceux qui ont le temps des autres, c'est ceux qui ont perdu. Ça veut dire que c'est ceux qui ont échoué en réalité. Parce que si tu as réussi, les hommes à succès n'ont pas le temps à regarder comment d'autres font chez eux. La Bible dit ceci. Ne vous immiscez pas dans les affaires d'autrui. Et l'apôtre Paul dira que chacun s'occupe de ses propres affaires. Est-ce que ce n'est pas l'Écriture? Ce n'est pas la Bible? C'est la Bible. Hier, j'ai parlé de l'histoire du docteur Charles Somba. Et j'ai expliqué que je ne me fais pas apologète du docteur Charles Somba, bien du révérend Dieu ne doit pas me dire. Mais c'est des problèmes récurrents, c'est des exemples récurrentiels, des exemples fondamentaux pour l'Église du Cameroun. Tout le monde dans l'Église connaît l'actualité autour du prophète Dieudonné Kamdem et du docteur Charles Somba. Donc c'est important. Il faut comprendre cela. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que le docteur Charles Somba fait partie des pionniers qui ont emmené le réveil au Cameroun. Je parle du réveil de masse. Le réveil de masse, c'est le premier homme de Dieu au Cameroun qui remplit le palais des sports. C'est une évidence. Donc, pour venir dire qu'il est monté ou il est descendu, moi je pense qu'il est important que tu remplisses aussi le palais des sports. Et là, tu parleras vraiment en cause à cause. Mais tu te lèves pour intervenir dans un domaine où tu es nul. Si on te laisse les brebis, on te laisse, va et raconte. Est-ce que tu pourras tenir ces gens? C'est un problème. Voyez, cette humilité manque à l'Église aujourd'hui. On a tellement de prétentions. Et j'ai dit une chose. Quand vous voyez quelqu'un déjà porter des propos injurieux, des discours insultants, il n'a pas Dieu. Je ne perds pas mon temps derrière des personnes comme celle-là. Parce qu'elles doivent d'abord être éduquées. Une personne mal éduquée, je ne vais pas perdre mon temps avec elle parce que je suis une personne bien éduquée. C'est important de savoir cela. Vous comprenez? Si tu trouves un fou à côté d'une poubelle qui te dit espèce de fou et tu lui dis toi-même fou, tu deviens plus fou que ce fou. Hein? On répond à un imbécile par le silence, par un coup de silence. Donc c'est ça un peu que les gens doivent comprendre. Il y a trop de prétentieux dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Je pense que nous allons lire à la lumière des Écritures. J'ai fait un direct hier où je suis revenu là-dessus. J'ai fait la différence entre la faiblesse d'un homme de Dieu, un homme de Dieu qui a des faiblesses et un faux homme de Dieu. C'est deux choses différentes. Et j'ai prouvé cela bibliquement. Je vous ai expliqué que quand vous prenez l'apôtre Paul, c'est un homme colérique. C'est une faiblesse. Ça vous a dit qu'il est un faux homme de Dieu? Non. Il a insulté le souverain sacrificateur, espèce de tombeau blanchi. Et on lui a fait le reproche que est-ce ainsi que tu dois parler au souverain sacrificateur? Et le soldat l'a giflé. On l'a giflé. Et l'apôtre Paul demande que tu me gifles, je t'ai fait quoi? Il dit tu as insulté le souverain sacrificateur. Et l'apôtre Paul répond quoi? Je ne savais pas que ce fut le souverain sacrificateur car il est écrit, tu ne parleras point mal du chef de ton peuple. Il reconnaît qu'il a mal parlé. Un homme de Dieu doit-il insulter? Même si ce n'était pas le souverain sacrificateur, de quel droit pouvait-il insulter quelqu'un, même si c'était un pauvre? C'était une faiblesse. Paul était un colérique. C'était son caractère. C'était un homme colérique. Vous ne pouvez pas annuler ça. Pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre sainte? Quand vous étudiez la vie de Moïse, pourquoi il n'est pas entré à Canaan? Ce n'est pas la colère. Ce n'était pas un homme de Dieu. N'est-ce pas à cause d'un coup de colère que Dieu a interdit à Moïse d'entrer dans la terre promise? N'était-il pas un vrai homme de Dieu? Est-ce que parce qu'il était colérique, ça voulait dire qu'il est faux homme de Dieu? Il faut faire attention. Je dis encore que je parle à des personnes matures. Vous n'êtes pas mature, vraiment, je m'en fous. C'est ça la réalité, on s'en fout. Dieu vous éclairera. La Bible dit que si quelqu'un est d'un autre avis, Christ l'éclairera. Vraiment, si vous ne comprenez pas ceci, il n'y a que Christ pour vous éclairer. Maintenant, on a pris Moïse. Si nous laissons le cas de Moïse, nous revenons dans le cas de David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu.
David n'a-t-il pas couché avec Bathsheba? C'est ça la réalité. Combien d'autres femmes, Abigail, qu'il a prise là, est-ce que c'était sa femme? Est-ce qu'il l'a dotée? Hein? La Bible continuera à dire que Abigail était la femme, la femme de Nabal. Hein? Et Bathsheba était la femme d'Uri. Et dans Matthieu, la Bible dit au premier chapitre que et David eut Salomon de Bathsheba, la femme d'Uri. Il faut faire attention. La femme d'Uri. La Bible n'a jamais reconnu que ce fut la femme. Certaines femmes furent les femmes de David. Mais Michal, par exemple, on sait que c'est la femme de David parce qu'il l'a dotée. Mais les autres, non. Il avait une faiblesse. Ça, c'était un problème dans son humanité. Était-ce dire que David est un faux homme de Dieu? Frère, c'est que David est un faux homme de Dieu. Montrez-moi un homme de Dieu au Cameroun qui a tué quelqu'un, qui a envoyé commettre un meurtre. David n'a-t-il pas envoyé commettre un meurtre? N'était-il pas un meurtrier? Mais attendez. Il était un meurtrier. Il a commis un meurtre. Non seulement il a commis un meurtre, il a couché avec la femme d'un homme marié, connaissant bien que c'est un homme marié. Donc, le fait qu'il ait commis adultère ou bien qu'il ait tué le mari de Bathsheba, il n'est pas un vrai homme de Dieu. C'est un faux homme de Dieu. Si David était un homme de Dieu dans cette génération, on le classerait parmi les faux. On dirait, tu as commis adultère, tu es un faux homme de Dieu. Dieu l'a-t-il rejeté parce qu'il a couché avec Bathsheba, la femme d'autrui? Dieu l'a puni. Il a payé le prix de son péché. Mais Dieu a continué à marcher avec lui. Si David était un pasteur camerounais, on l'aurait rejeté. Il aurait été un faux prophète. On n'oublierait jamais qu'il a couché avec la femme de quelqu'un. Et en plus, il a tué le mari. Il a dit assassinez-le, tuez-le. Et que ce soit un prophète camerounais ou bien de l'Afrique aujourd'hui ou de cette génération, et qu'il ait prouvé que c'est lui qui a commandité le meurtre de quelqu'un dont l'Église le rejettera pour toujours. Il ne se révélera plus jamais. Partout, il ira sur tous les réseaux sociaux. On dira qu'il avait commis adultère il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est un faux homme de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne commet pas adultère. Si un vrai homme de Dieu ne commet donc pas adultère, David est un faux homme de Dieu. Dieu s'est donc trompé à son sujet. Il est un faux. Parce que non seulement il a commis adultère, mais il a commis un meurtre en plus. Et en plus même, dans sa vieillesse, tellement il aimait les femmes qu'il a demandé qu'on lui trouve une vierge pour le recevoir. Ça veut dire que c'est un euphémisme en hébreu. Ça signifie que cette femme se déshabillait nue. Dieu, ça. Imaginez-vous un homme de Dieu aujourd'hui qui soit vieux. Un de nos papas là, un apôtre, ou papa Ndale, ou papa Obakier, ou je ne sais pas, un des papas de l'église, je suis en direct, mon amour. Et qui dise qu'il est vieux, vraiment, il ne peut plus satisfaire sexuellement notre maman, qu'on lui trouve une jeune soeur vierge qui va se coucher sur lui pour le réchauffer. Frère, ne va-t-on pas dire que c'est un sorcier? Que c'est la sorcellerie? Que sa puissance vient des jeunes filles vierges? Que c'est ça le secret de sa sorcellerie, c'est son totem là-bas. Je suis en direct. Non, va donner ton Gino, s'il te plaît. Je suis en direct, ma fille. Vous comprenez? On va dire quoi? C'est la sorcellerie. C'est la secte dans laquelle il est entré, c'est comme ça. C'est là-bas que sa puissance vient. La richesse de David vient là. Le prophète David, vous voyez, non, il couche. C'est-à-dire il a d'abord couché avec Bathsheba, etc. Maintenant, il exige une jeune qui vous se coucher sur lui. Quoique, il ne peut plus se mettre en érection. C'est un problème. S'il était camerounais, tu l'aurais massacré, vous l'auriez lapidé. Mais pourquoi Dieu a-t-il continué à aimer David et à l'appeler l'homme selon son cœur? Expliquez-moi, vous qui êtes plus juste que Dieu. Expliquez, justifiez. Parlons de la Bible. Justifiez. Dieu est saint, trois fois saint. Ses serviteurs doivent être saints. David n'était-il pas un saint serviteur de Dieu? Il a manifesté des faiblesses en sa génération. Toi qui juges les autres, n'as-tu pas de faiblesse? Pourquoi vous êtes autant méchant et hypocrite? Vous allez vous appuyer sur le fait que le docteur Chalessomba vendait l'eau à 5000 francs. Il y a des gens qui ont fait le commentaire qui étaient là-bas. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Qui ont dit qu'il n'a jamais vendu l'eau à 5000, c'était 600 francs la bouteille. Regardez le faux témoignage. La Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Et Proverbe dit, ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Mais bien aimé, vous gagnez quoi? Tu viens de dire qu'il vendait à 5000, tu étais là. On dit que jamais il n'a demandé la prière pour prier aux gens qui donnent 1 million. Ces brebis ont écrit. Les membres de Vin et Raconte ont écrit dans mes commentaires. Lisez l'émission d'hier. Vous gagnez quoi en ça? Le fait que tu dises sur quelqu'un une chose qu'il n'a pas faite devant Dieu te condamne. C'est ça que la Bible dit. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Si tu crains vraiment Dieu, tu feras attention à ce qui sort de ta bouche. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, toi-même tes fruits montrent que tu es faux.
Et tu peux condamner quelqu'un, le taxer de faux, sur quelle base? Toi-même, tu mens. Tu dis qu'il vend la bouteille d'eau à 5 000. C'est un mensonge. Tu mens. Tu répands la calomnie, tu répands le mensonge, les faux témoignages. Et tu ne vois pas que tu es sous la condamnation et le jugement de Dieu toi-même. Mais tu veux qu'on condamne quelqu'un d'autre. Toi donc, que fera-t-on de la condamnation de Christ qui est déjà sur toi? Parce que la Bible dit, je vous le dis en toute vérité, c'est Jésus qui dit, au jour du jugement, chaque homme rendra compte de toute parole vaine qui sera sortie de sa bouche. Retournons, prenons le cas de Moïse. Moïse a sorti une loi. L'Éternel lui a dit clairement, tout homme en Israël qui a épousé une femme qui n'est pas juive doit la tuer. Et ce jour, Israël était en pleurs. Les hommes ont tué toutes les femmes étrangères en Israël. On les a tuées toutes. Quand on finit, tout le monde finit de tuer sa femme, selon la parole que Moïse lui-même avait dit, que Dieu avait dit. On a tué, tout le monde a tué sa femme étrangère. Maintenant, on se retourne vers Moïse. Lui-même, sa femme était étrangère. C'était une couchite. Je crois que c'était une couchite. Elle était de couche. Maintenant, son grand frère, personne ne peut approcher Moïse pour dire que bon, nous on a tué nos femmes étrangères. Toi-même, ta part, c'est une étrangère. Tu l'as donc. C'est où Aaron et Marie vont murmurer contre Moïse. Ils vont lui demander que, mais attends, toi, tu nous as demandé au peuple de tuer. Dieu a dit, il faut respecter. Toi, tu n'es pas de. C'est faux là. Moïse a dit, je ne tue pas. On dit, mais attends, tu as fait donc que le peuple et Marie donc se fâchent, disant que, mais cet homme, notre petit frère en plus, il trompe le peuple. Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Ils avaient raison. Mais pourquoi Dieu les a punis? Pourquoi Dieu a pris le camp de son serviteur? Moïse avait-il obéi au commandement de Dieu? Non. Pourquoi la femme de Moïse a été épargnée? Le peuple, vous pensez que le peuple a la voix de Moïse? Il nous a induit en erreur, nous on tue nos femmes étrangères, lui garde sa femme étrangère, il nous l'impose. Et c'est la faveur de son noyau. Donc il faut faire attention. Si c'était un Camerounais, c'est qu'on l'a lapidé depuis longtemps. Voilà les sorciers. Il fait que les brebis, les pauvres brebis tuent leurs femmes. Maintenant lui, il enjoy sa femme. Donc son plan c'était de qui sort de sa bouche. C'est ça la réalité, frère. Comment vous m'expliquerez donc ça? Expliquez ça. Expliquez ça. Je vous ai expliqué qu'il n'y a aucun homme de Dieu parfait. Ce n'est pas pour autant qu'il faut vivre dans le péché. Comprenez bien. L'apôtre Paul lui-même reconnaît qu'il est orgueilleux. Et que c'est pour cet orgueil qu'un ange de Satan a été loué pour le garder dans l'humilité. C'est une faiblesse. Et quand vous lisez bien l'épître de l'apôtre Paul, vous trouverez que cet homme est un homme orgueilleux. Dieu l'avait seulement attrapé fort pour que cet orgueil-là ne détruise pas son ministère. Il faut faire attention. Quand il a commencé le ministère, il a dit, je ne peux pas aller vers les autres apôtres. Je ne peux pas aller vers eux pour me présenter. Non. J'ai travaillé plus qu'eux. Ils ne sont pas supérieurs à moi. C'est ce que Paul dit. Ils ne sont pas supérieurs en rien à moi. D'ailleurs même, j'ai travaillé plus que tous. Tous sont derrière moi. C'est ce que Paul dit. J'ai travaillé plus que tous. Ça, ce n'est pas de l'humilité. C'est Jésus qui va apparaître à Paul 3 ans après pour lui dire, va te présenter. C'est des doyens, c'est tes aînés spirituels. Il y a quand même une hiérarchie dans le monde spirituel. C'est là que Paul va se lever pour aller se présenter devant les apôtres. N'était-il pas un homme de Dieu? Ce n'était pas un vrai serviteur de Dieu? Donc, mes amis, il faut comprendre. Vivre dans la sainteté n'exclut pas les faiblesses. Vous savez bien ça. Puisque vous-même, vous en avez. Vivre dans la sainteté, c'est le partage. On ne peut pas demander à un enfant de Dieu de se sanctifier. Non! On ne peut pas demander à un enfant de Dieu de vivre dans la sainteté. Je n'ai pas besoin que tu me dises de vivre dans la sainteté. La sainteté, c'est ma vie. Mon devoir, c'est de me sanctifier. On n'enseigne pas la sanctification à un enfant de Dieu. On enseigne la sanctification aux pécheurs. La repentance n'est pas pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas repenti, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai expliqué hier, j'ai expliqué quelque chose de simple. Vous n'étudiez pas l'eschatologie, vous ne maîtrisez rien en eschatologie. Et puis quand on enseigne les choses, vous voulez montrer que non, vraiment, on dit des choses qui ne sont pas vraies. C'est vous qui êtes dans la vérité. Vous êtes dans quelle vérité, frère? Quelle vérité vous connaissez? J'ai expliqué bien. Allez relire le jugement de l'Église. Le jugement de l'Église n'est pas pour la condamnation. Non, ça n'a aucun sens. Quand la Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu, ce n'est pas pour condamner les gens. Ce que vous devez comprendre, c'est quoi? L'Église est sauvée. Quand on dit Église, Ecclesia, c'est sauvé. L'Église, c'est la communauté des croyants, de ceux qui sont sauvés.
de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui ont abandonné leur péché, leur mauvaise vie, et qui maintenant ont consacré leur vie à servir le Seigneur, mais qui ne sont pas cependant des personnes, des hommes parfaits. La Bible ne dit-elle pas que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu? Paul lui-même, qui enseigne la sanctification, il dit rechercher la sanctification sans laquelle nous ne pourrons voir le Seigneur. L'apôtre Paul lui-même n'a-t-il pas dit que si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et que nous sommes des menteurs? N'a-t-il pas dit cela? C'est un problème. C'est un réel problème. Va, on te fait le café. Yes. Je suis là, qui vient. Oui. Oui, vas-y, on te fait le café. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Paul dit quoi? Qu'est-ce que nous disons que nous sommes sans péché? Nous nous trompons nous-mêmes. Ce n'est pas la Bible, frère. Toi, tu es sans péché. Quel homme est sans péché? Quand tu viens dire que le docteur Chalesson m'a vendu l'eau à 5 000, tu n'es pas un pécheur, mais tu n'es pas un menteur. Et les menteurs iront où? Le sang de Jésus nous sauve seulement. Quand tu dis qu'il demandait 1 000 000 et que ses brebis disent qu'il n'a jamais fait ça 1 000 000 pour prier sur les gens, n'es-tu pas en train de mentir et de répandre un faux témoignage? Es-tu saint? Es-tu irréprochable en ce moment-là? C'est ça le problème, mes bien-aimés. La sanctification est ma responsabilité. Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne à me sanctifier. C'est la vie de Dieu. Elle est en moi, elle est ancrée en moi. Je fuis le péché. Ça, c'est clair. Fuis le péché. Vous ne montez pas un enfant de Dieu. Comment il faut fuir le péché? C'est aux nouveaux convertis, c'est aux païens qui se répandent. Ceux qui entrent dans le royaume, c'est à eux qu'on doit enseigner cela. Mais quiconque a Christ en lui mène une vie de pureté, de sanctification, d'intégrité, de justice et de droiture. Je n'ai pas besoin que tu me dises, ne mens pas, ne bois pas, ne commets pas adultère, ne vole pas. Parce que l'esprit de Christ en moi m'a revêtu de la vie de Christ. Mais en ce temps-là, il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes. Maintenant, le docteur Chalesomba, Dieu le rappelle à lui. Vous commencez à bavarder, à insulter. Quel homme de Dieu ici est mort? Vous n'avez pas insulté. Vous vous réjouissez. Le docteur Camden n'est pas au Cameroun. Vous vous réjouissez. Qui passe un bandit, c'est un voleur. Toi, il t'a volé combien? Toi qui parles, il t'a volé combien? Sincèrement, il t'a volé combien? Moi, je pense qu'il faut que nous soyons... C'est-à-dire que soyons... Laissons-nous convertir par l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, je ne parle pas aux païens. Les païens peuvent nous insulter et tout ça, vraiment. Et ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous prions qu'ils se répandent. Je parle des chrétiens, des hommes de Dieu, qui se réjouissent du malheur des autres. La deuxième source de faiblesse d'un homme de Dieu, c'est dans le ministère, ce qu'on appelle les erreurs du ministère. Quand vous regardez par exemple Josué, c'était un homme de Dieu presque parfait. Mais la Bible dit que les Gabaonites sont venus et ont trompé Josué. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les Gabaonites trompèrent Josué parce que, non, il dit que... Car dans l'affaire des Gabaonites, Josué et les anciens d'Israël ne consultèrent point Dieu. C'est pour ça que les Gabaonites les ont trompés. C'était une erreur du ministère. Moïse a commis des erreurs du ministère. Voyez, chaque homme de Dieu commet des erreurs dans son ministère. Maintenant, les erreurs du ministère ne font pas de quelqu'un faux homme de Dieu. Pour que tu qualifies quelqu'un de faux homme de Dieu, c'est sérieux. Il faut que la personne n'est pas Dieu. Ça, c'est la première chose. Elle n'a pas Dieu du tout. Elle ne craint pas Dieu du tout. Elle n'a pas cru. Son cœur n'est pas converti à Christ. L'Esprit de Christ n'habite pas en elle. La personne ne s'est jamais repentie. Ça veut dire que, sincèrement, cette personne sait qui elle est. Elle est un agent de Satan, serviteur de Satan. Elle vit dans le péché. Elle n'a aucune crainte du nom de l'Éternel. Elle n'a aucune hygiène de vie spirituelle. Elle ne pratique pas de sanctification. Le péché, c'est sa nourriture. Elle pratique la magie noire, la sorcellerie. On sait que ses œuvres sont du diable. Cette personne est fausse parce que son cœur n'a pas été converti par Christ. C'est ça, un faux homme de Dieu. Et son message est faux. Il prêche des choses qui n'ont aucun soutien biblique. Mais mes bien-aimés, comment allez-vous être méchant jusqu'au point où vous ne tolérez pas les faiblesses des hommes de Dieu? Vous, vos faiblesses, vous avez pourtant besoin de l'aide de Dieu. Vous avez besoin de prière. Toi qui insultes l'homme de Dieu, qui condamne ces personnes, toi-même tu es un adultère. Tu fais même ça, il y a même le préservatif qui est resté dans ta poche. Il y a le string de la prostituée là qui est dans ta poche. Tu as confondu ça avec le mouchoir en sortant tellement tu étais pressé parce que ta femme t'appelait déjà au téléphone. Mais tu viens, tu te connectes avec le string d'une prostituée dans ta poche en train de condamner. Oh, le docteur Chalesomba est mort. C'était un voleur, c'était un bandit. Il t'a volé quoi?
Il est venu agresser chez toi. Laissez les hommes de Dieu tranquilles. Cessez de vous amasser la colère de Dieu. Tu cours après les hommes de Dieu, mon ami, tu vas mourir mal. Comme vous dites ça, tu vas mourir mal. Si on ne vous dit pas ça, je vous dis ça. Tu veux, tu te fasses. Tu es fâché, tu sautes, tu cales en l'air, on s'en fout. Tu insultes, on s'en fout. Mais tu porteras les conséquences de ta méchanceté. Continue à chercher les hommes de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui accompagnent les hommes de Dieu. La Bible dit que qu'est-ce que tu as derrière le serviteur d'autrui? Vous ne lisez pas. Qui soit debout, qui tombe, ton problème c'est quoi? C'est le conseil avec son maître. Qui vous a établi juger des hommes de Dieu dans l'église? Qui vous a établi? Quelqu'un tombe, tu te réjouis. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit sur vous. À cause, nous sommes dans Abdias chapitre 1, à partir du verset 10. À cause de ta violence contre ton frère, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Je parle aux hommes de Dieu, je parle aux frères et aux sœurs de l'église du Cameroun qui se moquent du bonheur, du malheur des autres. Hein? Qui se réjouit du malheur des autres, qui célèbre la mort des autres. Comment en sommes arrivés au point où on se réjouit parce qu'un homme de Dieu est mort, mes frères, sincèrement, ou parce qu'un homme de Dieu a quitté le Cameroun, il allait ailleurs, il a les difficultés, il a les problèmes. Au lieu, je pensais que dans l'histoire du docteur Diendo Kamdem, nous les hommes de Dieu du Cameroun, et je suis prêt à le faire. Donc je me disais qu'on pouvait cotiser, on pouvait dire ok, on fait une quête. Chacun de 1 million ou 2 millions, on ramènerait le prophète Diendo Kamdem ici. Ça dit, ta jalousie, tu vas gagner quoi? Il est parti. Va donc prendre la cathédrale la foi, tu ne peux pas. Va donc faire ce qu'il faisait, tu ne peux pas. Donc, arrange dans les foules comme il haranguait, tu ne peux pas. Entre donc dans les milieux où il entrait, tu ne peux pas. Vous n'avez pas compris, mes frères bien-aimés, qu'aucun homme de Dieu ne peut remplacer un autre, que chaque homme de Dieu est unique devant Dieu. Et qu'aucun homme de Dieu ne peut empêcher l'ascension d'un autre homme de Dieu. Que si Dieu t'a appelé, les choses qu'il a dit sur toi seront accomplies. N'est-il pas écrit apocryphe, Pilatos, Gégrapha. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ce que Dieu a écrit sur toi, personne ne peut l'effacer. Pourquoi autant de haine, autant de jalousie? Quand tu te réjouis du malheur d'autrui, c'est de ton propre malheur que tu te réjouis. Il dit, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte. Et tu seras exterminé pour toujours. Voilà ce qui arrivera à ceux qui se moquent de leurs frères, de leurs sœurs, dans la détresse et des hommes de Dieu à qui ont le malheur dans ce pays. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, on parle de ton frère, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Il parle à Édom. Édom qui était Ésaü. Ésaü qui se moque de son frère Jacob, parce que Jacob a les problèmes. Il dit que quand les ennemis de Jacob arrivent pour dépouiller Jacob, Ésaü se mêle aux ennemis de Jacob pour dépouiller son frère. Dieu dit que parce que tu t'es mêlé aux ennemis de ton frère, tu n'as pas monté la miséricorde au-dessus du malheur de ton frère. Il dit la ruine sera sur toi. Ça c'est le sort de ceux qui se réjouissent du malheur de leur frère. Ne repais pas ta vue du jour de ton frère. Il dit, ne te supplie pas, les gens disent, ouais, il est tombé, ouais. Tu as laissé son bain, ouais, Kamdem est sorti du Cameroun, bien, je ne sais plus quoi. Il dit, ne te réjouis pas, parce que ta joie-là sera courte, elle n'ira pas loin. Dieu que je sers est dangereux. Il n'est l'égal de personne. C'est un Dieu droit comme ça, juste. Mon ami, Dieu n'a pas d'amis en dehors de la justice. Pour que tu sois son ami, tu dois respecter sa parole. Et la parole de Dieu a des rouages qu'il faut maîtriser. Il dit, ne répète pas ta vue. Du jour de ton frère, ça dit du jour du malheur de ton frère. Tant qu'il fait les yeux comme ça, tu es content là. Dieu dit que non, tu commets une grave erreur. Du jour de son malheur, il ne répète pas ta vie du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda, au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. À vous qui ouvrez cette grande bouche pour vous réjouir de la suite du malheur des autres, du malheur des hommes de Dieu. Venez sur Facebook pour dire des âneries, pour ouvrir grandement vos bouches. La Bible dit, n'ouvre pas grand ta bouche. N'ouvre pas. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui est juste. La Bible dit, Dieu dit que même lorsque je punis ton ennemi, et que je me retourne, je trouve que tu te réjouis de la manière dont je châtie ton ennemi. Il dit, je laisserai ton ennemi et je reviendrai vers toi te châtier. Parce que ton ennemi, c'est aussi ma créature. Faut faire attention. Dieu est juste, mes frères. Il y a un Dieu juste au ciel, heureusement. Qui mettra fin à cette haine, à cette jalousie, qui donnera à chacun selon son cœur. C'est pour ça que ta vie n'a aucun sens. C'est pour ça que ton ministère n'avance pas. Parce que ton cœur est méchant. Aucune pitié.
quelqu'un a des problèmes, au lieu de prier, d'intercéder que Dieu le sauve, vous prenez plutôt des cailloux pour assommer la tête des gens, pour les finir. Voilà le Cameroun. Voilà l'église. Il dit, n'entre pas dans les portes de mon peuple, au sud de sa ruine. N'entre pas. Même s'il est en train de tomber, Dieu est là. La jalousie de Dieu, il y avait son peuple. La jalousie de Dieu, il y avait ce frère, il y avait ses soeurs. Toi qui dis qu'il abandonne, non. Dieu dit, n'entre pas dans les portes de mon peuple, au sud de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Combien d'hommes de Dieu pensent qu'il faut que nous tombions pour qu'ils mettent la main sur notre richesse? La richesse ici, c'est quoi? C'est les brebis. Non, non, il est tombé, Tchalais, son bas est mort. Maintenant, donc ça dit, les frères de verre racontent, nous allons les prendre. Mon église aussi va grandir. Comme il est tombé, maintenant je vais récupérer ces brebis. Tu n'auras zéro brebis, tu auras zéro, rien. La Bible dit que c'est une malédiction d'étendre ta main. Récupérer les biens, la richesse de ton frère lorsqu'il est en train de traverser le jour du malheur. Tous ceux qui profitent du malheur des autres pour se repositionner, pour gagner en notoriété. Mes amis, le malheur est sur toi. C'est interdit. Si tu lisais la Bible, tu saurais que ces textes-ci t'interdisent ce caractère. Il dit, ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fuyards. Et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. 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 Celui qui tuera par l'épée sera tué. C'est la Bible, c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées qui parle. Le Dieu que tu prétends être le serviteur. C'est lui. Car le jour de l'Éternel est proche. Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Mes amis, vous qui insultez les hommes de Dieu, vos œuvres retomberont sur votre tête. Vous qui les maudissez, vos malédictions retomberont sur votre tête. Tout ce que tu ouvres la bouche pour proclamer comme malheur, comme insulte, c'est ainsi que tu seras insulté. C'est Dieu qui le dit, j'interprète le texte. C'est Dieu qui le dit. La Bible dit point de paix pour le méchant. Le temps est venu, Dieu va punir les méchants dans ce pays. Mais si tu vois un homme de Dieu qui est tombé dans l'adultère, si tu aimais vraiment Dieu, tu connaissais vraiment Dieu, tu irais prier que Dieu relève son serviteur. Tu gagnes quoi à chercher à ce que... Donc comme il est tombé dans l'adultère, toi, tes adultères nombreux que tu commets là, si on te traitait comme cet homme de Dieu, tu serais où aujourd'hui? Hein? Dès qu'un homme de Dieu commet une erreur, c'est comme si ce n'était pas un homme. Il faut qu'on l'enterre. Directement, il y a déjà la tombe de chaque homme de Dieu au Cameroun. Et déjà creusé son cercueil. Et déjà écrit. Et déjà fabriqué avec sa photo. Dès qu'un homme de Dieu commet une moindre erreur, pas de miséricorde, pas de pitié, mais toi, la multitude, la litanie, le conglomérat, la panoplie, la litanie d'erreurs que tu commets, de fautes que tu commets dans ta vie, tu veux que Dieu te pardonne. Tu veux, tu continues à aller à l'église, tu adores Dieu. La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux autres leurs péchés, vous aussi vos péchés ne seront pas pardonnés par votre Père Céleste. Dieu est juste. Dieu voit ton cœur. Dieu voit ta haine. Dieu voit ta méchanceté. Tes œuvres retomberont sur toi. Tes œuvres retomberont sur toi. Tu mal parles tellement des gens, tellement haineux. Le cœur est tellement noir de haine, de jalousie. J'ai jamais vu autant de haine et de jalousie que dans ma nation. Tellement de haine. Tu parles de quelqu'un que tu n'as jamais croisé. Tu n'as jamais dit bonjour. Tu n'as jamais vu le docteur Dieu Kandem. Tu n'as jamais vu le docteur Tchalé Somba. Tu ne les as jamais rencontrés. J'ai vu une soeur qui a fait le commentaire. Qu'elle est arrivée quelque part. Non, qu'une soeur. Oui, elle est arrivée quelque part. Une soeur a commencé à maudire le prophète des faux. Dire que non, ce n'est pas un vrai homme de Dieu, c'est un faux homme de Dieu et tout cela. Toi-même, tu es vrai. Elle lui a dit que je ne suis pas de la race de ceux qui maudissent les hommes de Dieu. Tout ce mal, Dieu vous redemandera cela. Si tu avais Jésus, quand tu vois, la Bible dit que toi qui es fort, lorsque tu vois celui qui est faible dans l'erreur, relève-le. C'est ça Jésus. C'est ça le vrai évangile. Vous qui proclamez que vous avez le vrai évangile dit quoi? Heureux ceux qui sont miséricordieux, qu'ils obtiendront la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un est dans les problèmes, tu pleures avec la personne. La Bible ne dit-elle pas pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent? Toi qui te réjouis de celui qui pleure, tu pratiques la Bible, tu es de Dieu.
Après, tu vas dire que non, la Bible dit qu'on les reconnaissait à leurs fruits. Toi, tes fruits, on a déjà vu. On connaît déjà tes fruits. Nous connaissons tes fruits. C'est quelle Bible que tu es en train de pratiquer? C'est quel Jésus? La Bible dit comment peux-tu haïr ton frère que tu vois et prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Ce n'est pas l'Écriture. Comment peux-tu haïr ton frère? Parfois, tu hais ton frère que tu n'as jamais vu. On te demande que tu connais, donne le vrai nom de cet homme que tu calomnies, tu ne connais pas. Donne le nom de sa femme, tu ne connais pas. Il avait combien d'enfants, tu ne connais pas. Mais tu parles de lui comme si tu vivais avec lui, comme si tu dormais dans le même lit que lui. Tu gagnes quoi? Regarde ta vie. La malédiction est en train de la sécher. Tu es en train de mourir à petit feu. Mais tu ne comprends pas. Dans ton orgueil perdu, dans la séduction de Satan, tu te fais défenseur de la justice. Non, c'est un faux homme de Dieu. C'est un faux homme de Dieu. Montrez-moi un vrai homme de Dieu au Cameroun. Montrez un vrai. De tous les hommes de Dieu qui marquent cette nation, montrez-moi un qu'on dit qu'il est vrai. Donc pour vous, il n'y a pas de vrai. Donc un homme de Dieu est dans l'anonymat, dans l'obscurité là-bas. Il se bat encore dans l'école du Seigneur, il est vrai. Le jour où Dieu commence à accomplir ses promesses dans sa vie, il devient faux. Mes amis, faites attention. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Parce que le jugement revient. Le jugement revient. Mais cette fois-ci, ça sera contre les ennemis de l'Église et les ennemis des hommes de Dieu dans cette nation. Devons craindre le nom de Dieu. La Bible dit, voici ce que l'Éternel dit, par Abdias. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Voilà ce que vous devez comprendre. Si tu veux, tu peux insulter. Tu as été condamné à ça. Dieu t'a condamné à ça. Il y a des gens que Dieu a condamnés pour la perdition. Il faut se repentir. C'est quelle nation où, dès qu'un homme de Dieu a un problème, au lieu que l'Église prie pour lui, comme on a prié pour Pierre qui est en prison, si Pierre était Camerounais, on l'aurait égorgé. Je vous dis la vérité, on l'aurait égorgé en prison. Hein? Mais l'Église a dit, non, attendez, c'est un homme de Dieu. Toi, tu allais dire l'Ankonengi, c'est-à-dire que c'est un bandit, c'est les bandits. Et là, c'est l'Ankonengi, c'est bien, qui meurt là-bas même, qu'on le condamne à mort. L'Église, quand l'Église a pris que